Lucien Bourretier Tshisekedi. J'aimerais remercier tous les leaders politiques de la République démocratique du Congo. Vous nous avez tous témoigné. Vous nous avez tous témoigné votre amour pour celui qui nous a tous appris la leçon de la démocratie, l'état de droit. À toutes les autorités du Rassemblement et membres du Rassemblement, nous vous remercions. Nous vous remercions d'être venus à l'enseignement. Voilà pourquoi nous sommes tous ici. Parce qu'il est l'unique, la seule personnalité politique qui a transcendé tous les clivages. La seule personnalité politique qui n'était pas conflictuelle. La parole que j'exerce, je l'ai appris auprès du véritable maître d'école, Étienne Tshisekedi Wamulumba. En ce qui me concerne, je ne suis pas un fils direct politique d'Étienne Tshisekedi. S'il vous plaît, un peu de silence pour qu'on puisse comprendre l'émotion est très forte, vous comprendrez que je ne puisse pas avoir tous les mots que j'aimerais bien prononcer en ce moment. Je n'ai plus besoin d'expliquer pourquoi nous sommes ici, vous avez tout compris. J'ai un lourd devoir de pouvoir remercier au nom de la famille, au nom de l'UDPS, et je vais même ajouter au nom de mon pays, le gouvernement belge pour nous avoir permis d'occuper ces lieux, pour nous avoir permis d'organiser ces moments de recueillement pour ces grands hommes pour lesquels nous venons d'applaudir. Les remerciements vont donc au gouvernement belge, à la ville de Bruxelles, et à toutes les personnalités qui sont présentes ici. J'entends d'abord les personnalités belges, ensuite toutes les autres personnalités qui ont apporté leur contribution pour que ce moment de douleur puisse se dérouler comme nous l'espérions, comme tout le monde espérait. Je ne vais pas monopoliser la parole. Nous allons bousculer un peu notre programme pour permettre à ceux qui sont dehors d'avoir l'occasion de rendre hommage à notre président. S'il vous plaît. Après ce remerciement, je ne veux pas continuer, je ne veux pas aller plus loin. Je vais annoncer rapidement ce que nous allons faire maintenant. Je vais demander aux personnalités et aux différents invités, à nos illustres invités, s'ils ont l'intention maintenant de rendre hommage à notre
Tshisekedi et on se dirige dehors. Parce qu'à ce moment-là, la cérémonie est terminée pour tous ceux qui auront rendu hommage à notre chef. On commence par la droite. Ceux qui sont à droite, à ma droite, évidemment, vont passer pour rendre hommage. Non. Il faut rendre hommage et sortir à ma gauche. Ceux qui sont assis ne se mettent pas debout, ne bougent pas. Jusqu'à ce que on vous invite. J'espère que c'est suffisamment clair. On va commencer par la droite, évidemment. On ouvre le couloir pour l'hommage et le couloir de gauche pour la sortie. Merci. S'il vous plaît, les amis de la presse, calmez-vous. S'il vous plaît, pour Étienne Tshisekedi, calmez-vous. Alors, mesdames et messieurs, il y a plein de monde à l'extérieur. Ceux qui sont debout, nous allons faire une rotation assez rapidement et vous serez guidés par le protocole. Comme le président André Kabanda l'a dit, ceux qui sont assis restent assis. Ceux qui sont debout seront dirigés par le couloir approprié. Vous rendez hommage au président. Mais je vous demande une chose, aucune photo n'est permise par tous ceux qui vont passer là-bas, à part la presse qui aura le travail de filmer tout ce qui se passe. Pas de portable à la main, vous mettez dans la poche ou dans votre sac. Le service de sécurité sera strict. Je répète, le service de sécurité sera strict. Vous prenez votre portable, vous l'éteignez, vous le mettez dans la poche et non dans la main. Avant que nous laissions concernant cet espace, nous allons d'abord commencer avec les officiels. Mais je demanderai au responsable de la presse, le responsable de la presse, qu'il puisse nous ouvrir un couloir pour la presse, pour qu'ils puissent prendre les images en parallèle du passage du public comme des autorités. Le responsable de la presse, c'est... Le parti de la guerre.
Nous venons de voir vivre. Vivre. Congo vivre. Vivre. RDC vivre. Vivre. Merci beaucoup. Nous allons commencer notre manifestation. Je ne dirais pas une soirée de deuil parce qu'il n'est pas l'aîné. Mon président n'est pas mort, il est vivant parmi nous. Voilà pourquoi nous allons célébrer et rendre hommage aujourd'hui à notre président. Je voudrais montrer tous les célébrés pour l'hymne national. Merci. Ils ont apporté leur contribution pour que ce moment de douleur puisse se dérouler en plus d'espérion. Congolais, Le responsable de la Commission.
Depuis longtemps que papa Titi a combattu pour la démocratie et pour l'état des droits de tous les Congolais, soutenons-le. Yo,
baba, non je connais. Papi mon combo, y'a papi papa na casa, ante ma quoi son papa na casa. Yandi dada mon si vandaga wana kongo, yandi zina na yandi ya chichi, abunda pe mingi, banyokola ye pe mingi, ona kongo. Thank you.